Hola, Internet. On est vendredi. Fait un petit peu moins froid. J'ai eu une grosse semaine. Premièrement, dimanche passé, c'était les oliviers. On a gagné. C'était vraiment cool. J'ai fait une vidéo, tout le monde l'a vu, ça me sert à rien d'en parler. Au début, je voulais prendre toutes ces images-là, les images que j'ai mis dans l'espèce de backstage des oliviers. Je voulais faire ça, je les tournais pour mon vlog. Puis je voulais en garder une partie pour le channel de Sous-Écoute. Puis en fin de compte, le montage était tellement bon, j'ai décidé de tout mettre dans le channel de Sous-Écoute. Puis je me suis dit que je vloggerais autre chose. Reste que je me suis bien amusé. Là, on s'en va chercher la paye. On va commencer à aller magasiner les cadeaux de Noël. Le cadeau de ma plus jeune est acheté. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, on s'en va essayer d'en trouver un pour la plus grande. Ça commence à être dur, elle a 16 ans, elle a ses propres goûts, c'est plus des bébelles, c'est plus des affaires bien ben simples, c'est rendu compliqué, elle tripe sur le linge, elle tripe sur le magasinage. Faut que j'en trouve un aussi pour chacun des enfants de ma blonde, ça va être plus dur un peu. Promenade Saint-Bruno. Je me suis dit, on est vendredi, en pleine journée, le monde travaille. Ça va être idéal aller magasiner. Ça a l'air que non. C'est bien plein. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Bon ben, un premier cadeau d'acheter sur trois. J'aime le temps des fêtes. J'aime la magie, les petites lumières. J'aime l'ambiance. J'aime la musique. Je ne m'attends pas de la musique. Je suis un des rares qui ne se tente pas de la musique. Mais qu'est-ce que j'aille magasiner? S'il y a une affaire que je déteste, c'est venir me fourrer à travers le monde. Suggestion Netflix. Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire Hired Gun. Ça trace un espèce de portrait de ceux qu'on appelle les Hired Gun. Les Hired Gun, c'est des musiciens A-listers, c'est des gars qui sont hyper talentueux, c'est les meilleurs dans le milieu. C'est des gars qu'on engage pour soit compléter un band, soit venir en tournée jouer de la musique, ou soit aller en studio. Il y a des témoignages de Rudy Sarzo, il y a des témoignages de Alice Cooper. C'est des gars qui n'ont pas nécessairement la vie facile, ce milieu-là. C'est un milieu un petit peu cutthroat. Entre autres, il y en a un qui raconte son expérience avec Billy Joel. Le gars a littéralement été à la source de tous les meilleurs succès de Billy Joel, et Billy Joel l'a traité comme de la merde. L'autre gars, le gars de Filter, le chanteur de Filter, qui a traité tous ses musiciens comme de la merde. C'est des gars qui doivent être complets, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir plusieurs caractéristiques. Premièrement, être les meilleurs en termes de talent. Ils doivent être créatifs. Ils doivent aussi avoir une certaine présence sur scène. Ils doivent avoir une connexion aussi avec l'artiste qu'ils vont accompagner. T'en apprends sur plein de bandes qu'on connaît, Black Sabbath, Quiet Riot. C'est vraiment un beau documentaire. Ça me fait penser un peu à It Might Get Loud. C'est dans le même esprit de documentaire sur le rock. Ça vient de sortir sur Netflix. Ça s'appelle Hired Gun. La soirée des oliviers, ça m'a pris 2 jours m'en remettre. Puis le pire, c'est que j'ai pris un verre de vin au restaurant. Je suis tellement content, ça a été magique pour moi cette soirée-là. Pas pour le... Oui, gagner le prix, j'étais content, j'étais honoré de ça. Le monde me félicitait, tout ça, mais moi,
à partir du moment où est-ce que... Là, j'ai fait comme, OK, je vais essayer de vlogger ça. J'étais obsédé par l'idée de filmer puis de vlogger cet événement-là. Fait que là, j'ai demandé à Mike, j'ai dit, je vois, tu sais, ça te dérange-tu si je tourne? J'ai dit, je vais filmer. J'ai dit, ça te dérange-tu? Tu sais, ça pourrait être même du contenu pour le channel YouTube. Je pensais faire genre un 5 minutes pour le channel YouTube. Ben, cool que Mike m'ait permis de pouvoir faire ça, là, tu sais. Il est ben généreux. C'était ben le fun. Puis lui pis sa blonde, savage as fuck, là. On voit la fin, tu sais, Mike, il essaie de il essaie de voler un trophée. C'est un élément de décor, c'est un olivier, tu sais, c'est un trophée, disons, format géant, sculpté dans du fond. On est en route, on s'en va. Mike a décidé de partir avec un trophée, un autre trophée. Il prend dans ses broches avant de s'en aller, puis on sauve d'un corridor. Puis là, je le suis. Mais là, au début, moi, je le suivais, puis je savais pas qu'il avait pas le droit de le prendre, tu sais. D'un coup, il croise un gars, puis le gars, il dit, c'est parce que c'était moi qui étais supposé de partir avec ça. Fait que là, Mike, il fait comme, ouais, non, ils m'ont dit que je pouvais le prendre. Le gars, il est resté même un peu bête, j'ai vu dans sa face, c'est genre... Ah, oh shit, OK. Mike a fait, non, j'ai le droit de la... Ils m'ont dit que je pouvais le prendre. Fait qu'il repart avec. Le gars, il reste un peu démuni. Je vois dans sa face, c'est comme, oh shit. Moi, c'est ça. Aussitôt que, quand tu voles quelque chose, la manière que tu te fais pogner, c'est quand t'attends. Parce que c'est là, quand on attend. Le gars, il nous voit, il dit, hey, c'est moi qui ai supposé la maison. J'ai fait, ah, ils m'ont dit, je peux pas faire ça. Fait qu'il a appelé la sécurité. La sécurité s'est mise à courir après Mike. Fait que je la vois arriver. Je la vois s'en venir. Là, je fais... Moi, je ris, là. Je trouve ça drôle. Rattraper Mike pour avoir son trophée. Il sauve! Elle l'appelle pis il l'écoute pas! Là, sa blonde, savage as fuck, elle aussi, là. C'est comme, non, on s'en va avec ce trophée-là. Fait que, quand elle voit que la garde de sécurité court après Mike dans le stationnement, pendant que Mike s'en va au camion, la blonde de Mike décide. Elle a un plan, elle. Elle a un plan, c'est de faire diversion. Fait que là, elle sort dehors, elle ferme la porte, puis elle fait, elle se met à crier, Madame, je suis embarré dehors, venez à ma rescousse, puis elle criait à la gardienne de sécurité, juste pour faire diversion, pour que la gardienne de sécurité lâche Mike, tu sais. Là, on essaye. Là, j'arrive pour embarquer dans le camion. Là, il y a Mike assis en arrière avec le trophée. On le voit mal parce que c'est sombre. Il y a Mike avec le trophée. Là, Mike est en tabarnak après nous autres. Là, il est là. Chris, que vous êtes slow, hostie. Quand on vole quelque chose, faut faire vite. Chris, que vous êtes slow. Chris, que vous êtes mauvais. Je vais aller dans la valise. Non, Chris, que vous êtes bon. Vous êtes pas vite. De toute façon, on va vous attendre à la gate. Ah ouais. C'est pas grand. Okay. Mais Chris, que vous êtes mauvais pour suivre. Puis là, il nous engueule, moi pis Jason. Puis moi, je ris. Fait que là, j'embarque dans le camion. Je pitche tout ce qu'il y a sur le siège pour faire de la place. J'embarque dans le camion. Là, Jason embarque. On est tous dans le camion, mais là, il est trop tard. Tu sais, la madame, elle vient nous voir. Elle dit, regarde, il vous laisse. On vous laisse pas sortir de la gate. Vous pourrez pas passer la gate. Fait que là, la blonde, la mec, elle fait, oh, fuck you, on va défoncer.
Hein? Ben oui! Ben on va défoncer. On l'amène au party, ils veulent, on l'a demandé. C'est absurde, là. Fait qu'en fin de compte, Mike, vraiment mauvais perdant, là. Compétitif au bout, mauvais perdant. Il a perdu le petit trophée. Il fait comme, OK, fuck you, tabarnak. Il redonne le trophée. Ben attendez. Non, c'est beau, non. Laisse faire de niaisage. Le gars-là de Chris de Radio-Can. Radio-Can à marde. Calice de Radio-Canada à marde, de Chris de style. De gala de marde. Tu sais, pense-y deux minutes. Il vient de gagner un des trophées les plus avant-gardistes du Gala des Oliviers. C'est un trophée qui va surpasser tous les trophées. Dans 10 ans, là, ce trophée-là, il va être plus important que les trophées qu'on attribue aux produits qui se font sur, à la télé ou à la radio, tu sais. Tu sais, il vient de prouver un point concernant les nouveaux médias, le podcast. Il vient de prouver un point à tout le Québec. Il y a un trophée pour le prouver. Il vient de gâter. Il a vécu la gloire, mais il est frustré parce qu'il peut pas ramener un élément de décor en forme. C'est l'affaire la plus crissement drôle.